Les réactions en hommage au casque bleu togolais de la MINUSMA, tué au Mali, ne cessent d'affluer sur la toile. Et cette fois-ci, c'est celle de l'Association des victimes de la torture au Togo, ASVITO. Dans un tweet en date du 9 décembre 2021, l'organisation de la société civile togolaise a rendu hommage aux soldats togolais. Aussi a-t-elle présenté ses condoléances aux familles éplorées. L'ASVITO rend hommage aux victimes du terrorisme et exprime toutes ses condoléances et sa compassion aux familles éplorées et aux FDS, a tweeté Kao Atkoli, responsable de l'ASVITO. Toutefois s'interroge-t-il, pourquoi les opérations togolaises ne sont pas équipées d'engins blindés? Rappelons que les soldats étaient dans un convoi logistique de la force allant de Dounsa à Sévaré, centre, au moment du drame. Outre les 7 casques bleus décédés, la MINUSMA a également enregistré 3 autres grièvement blessés d'après le premier bilan.